Maman, c'est pour quoi faire cette robe? C'est pour aller où? Alors ça, comme je vais être bien dans ma croisière, ils ont dit la soirée blanche. Comme j'avais un morceau de tissu, moi je crois faire un rideau avec. Mais comme il est brillant, je crois faire un rideau. J'ai dit alors, pourquoi je fais un rideau? Et je pensais, je réfléchissais. Et j'ai dit, comme j'ai une très belle chemise de nuit avec des dentelles, Ilana m'a donné l'idée. Elle m'a dit, bébé, pourquoi tu te casses la tête? Très bonne idée. Elle m'a dit, tu fais cette chemise de nuit. Comme je ne veux pas doubler la robe, elle m'a dit, ça va te faire. Tu fais comment elle appelle ça? Un peignoir. Un peignoir avec. Mais. Kimono. Pas un peignoir. Kimono. Kimono. Un kimono. Alors moi, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai tiré le tissu maintenant. Je suis en train de la tailler. Et j'ai une idée maintenant. Ça m'enregistre. J'ai pris le tissu. J'ai fait la petite manche. Et dans la manche, je vais faire ici tous des petits volants. Ah, sympathique. Oui, ça c'est sympathique, tu vois. Je vais faire à peu près 4 volants sur la... Voilà la manche, c'est ça la manche. Tu vois la manche? C'est ça. Voilà. Et là, je vais mettre tous les volants. Là, est-ce que je serai la star de la croisière? Là, est-ce que le commandant va dire, c'est quoi cette femme-là? Ah, Brooke va dire, ah, ça c'est ma grand-mère. Elle a 90 ans. Voilà. Dieu bénisse. Et toutes ses dents. Ah, Dieu bénisse pour moi et 5 poissons pour moi. Ah, mais voilà, ça, c'est ce que je suis en train de faire, c'est les volants. Ah, c'est tous les volants. Ça, c'est tous les volants. Très délicat. Ouais. Alors, mais quand tu vas voir la manche monter avec les... Je vais les épingler pour le moment, tu vois. Vous allez rester bouche bée. Et Ilana, elle t'a acheté des nouvelles aiguilles? Ah oui, parce que... Mais c'est pas ça, c'est qu'il y a l'âge aussi, hein. L'âge, 90 ans, c'est pas facile. Et depuis elle m'a acheté... Parce que le chat des aiguilles, depuis là. Avec le grand chat. Ouais. Pour que, habituellement, je prends mon téléphone. J'allume la lumière avec mon téléphone pour faire rentrer l'aiguille. C'est une catastrophe. Alors j'ai eu l'idée, puisqu'il en a de venir, j'ai dit, allez, je me tire à Gégène. Ça te dérange pas? Alors là, j'ai la sentiment. Mais comment ça se fait que tu nous as reçus aujourd'hui alors que normalement, tu as dit que c'est fini, tu ne veux plus jamais recevoir personne chez toi? Oui, la lampe pourrie, je ne la fais plus moi, cette lampe pourrie. Quand des fois on est mal luné, non? Alors, on n'est pas toujours dans la même humeur. J'étais mal luné, je ne veux recevoir même personne. Même pour l'angile, je ne veux pas que tu viennes m'allumer les bougies. Moi, je les allume seule. Pourquoi? C'est quoi là en ce moment? Là, pour le moment, quand je ce que je suis. Non, c'est quoi la fête là en ce moment? Attends une minute. C'est très délicat ça. Ça, c'est tous les volants. Il faut que je les coupe la même chose. Mais c'est quoi la fête là en ce moment? Attends. Voilà. Oh là là, que je suis contente. Oh là là, que je suis contente. C'est la fête de Hanoukia. Ah, c'est les Hanoukiates là. D'accord. Je vais vous montrer à peu près l'exemple là, que ça va donner. Mais je le fais du côté brillant. Parce que du côté mat, c'est fade. Moi, je veux quelque chose de sexy, de bien, tu vois. Et moi, ils ne comprennent pas que je pars. Alors, j'ai dit, moi, d'abord, je fais ma... À moi. Voilà. Regarde qu'il est beau ce tissu. Zèbre. Canon. Mais la qualité, je te dis pas, elle a payé 52 euros le mètre. C'est pas rien, hein. Et de, alors, j'ai dit, j'avance aujourd'hui mon travail de ça. Et demain, si Dieu veut m'apporter le traversin, et je lui fais la même chose. Et après, elle rentre avec. Et moi, après, je continue à m'occuper de ma tenue. Comme je suis contente, Europe. Oh là là, je marche comme un canard. Et ça y est, c'est bon. Là-bas, à la croisière, je vais avoir la force. Voilà. Tu vois? Tous les volants. C'est beau, Estelle? Mets ta main droite. Extra. C'est vrai que ça brille, hein?
sera. T'es contente? Ouais, très contente. Faut bien le repasser par contre. Oui, non, ça c'est un modèle. Si ça vous plaît, alors je vais faire le kimono. Et le kimono, la manche, c'est ça la manche, voilà. Du kimono avec une chemise. On est quand même loin de la photo là. Ah ouais? T'as changé d'idée? Ah oui, j'ai changé, c'est plus la même chose. J'ai changé, moi je change, tu vois. Je change pas de ça, de toute ma vie entière. Et ce que je veux, moi, je le fais. Et personne ne me commande. Vous n'avez qu'à rire ou faire ce que vous voulez. C'est comme ça la loi. J'ai été trop commandée, mais non, stop! Stop! Bon, quel rapport avec la manche, ça, maintenant? Ça s'appelle le moment d'estrogne de la journée. D'estrogne, t'as beau, quelqu'un. D'estrogne, toi, tu es estrogne. Destroy. Estrog ou estrog? Alors, ça te plaît? Très bien. Alors, est-ce que je la fais plus longue la manche ou non? Non, comme ça. Non. C'est bien. Elle est bonne, cette manche? Oh, coude. Oui, mais là, tu l'as fait pour une manche courte. Ça. Voilà. Non. Longue. Fais-la. Plus courte. Comme les princesses. Attends, tu le veux plus que ça? Plus longue. Non. Ah, plus longue, là? Non. Non, je préfère ici au coude. Pas. Ah, ça suffit, la longueur est très bien. Alors, le modèle vous a plu, les enfants? Très bien. Je peux l'attaquer? Attaque. Avant d'attaquer tes saucissons?